Voilà. Là, je cherche la vidéo. Attendez 2 secondes. Salut la famille. J'espère que le week-end. Pour moi, c'est avec un retard parce que bon, c'est les vacances. La plupart des parents d'enfants sont avec des enfants, donc du coup, ça permet de prendre un retard énorme. Mais quand cela n'empêche, c'est vendredi soir, on va faire un débriefing. On va revenir sur la corruption au sein des mouvements patriotiques. On va voir le goût de l'argent. Ce temps, j'ai oublié mon PC sur Paris, donc pendant ce temps, oui, salut la famille, salut, salut, salut. Donc pendant ce temps, je cherche le jingle sur mon téléphone. Une fois que j'ai le jingle, on démarre. Voilà. Là. On doit plus vous répéter ça. On partage, on partage, on partage, on partage, on partage. On partage. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, ça m'en dirait. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Ouais, diamant bleu, tu dois finir à 22h. Tu dois commencer à 22h. Ouais, diamant bleu, tu t'envoies des cœurs, ma femme est calme. Si ma vérité te dérange, quitte ton mur. Si tu déranges, diamant bleu, tu auras affaire à moi. Si ma vérité te dérange, Banderas, laisse ma femme tranquille. Si ma vérité te dérange, ça
Salut, salut à tous les patriotes connectés ce soir. Ah oui, un maximum de partage, un maximum de likes, d'écoute. Je ne fais pas le buzz, je suis le buzz. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sape mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Amer, Amer, D. Si ma vérité te dérange, quitte mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. On partage. Ah ouais. Ce soir, c'est Patriot by Night, by Corruption. Si ma vérité te dérange. L'homme à battre, Zogo. Junior Zogo, l'homme à battre. Si ma vérité te dérange, ça mon direct. Écoute. Amer, Amer, D. Au maximum de partage, l'homme abat Junior Zogo. La corruption bat son plein chez les patriotes. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Casse ton téléphone. Sinon, écoute. Amer, Amer, tiens. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. Si ma vérité te dérange, passe ton téléphone. Sinon, écoute. Amer, amer, tiens. Ouais, la douce, ma patrie d'abord. La douce, douce, douce. Ah, merci. Merci. Bon, on va lancer d'abord. Bon, on va laisser le jingle un peu. On va faire un petit... Pendant ce temps, on partage. Pendant ce temps, on envoie nos 500 partages. On est des caméras. Il n'y a pas que le jingle. On peut taper des commentaires. On peut se mettre au cas. Oui, John Dicou, ma mère, caméra, en place. Donc, aujourd'hui, c'est vendredi. Donc, on va développer des techniques. Nous sommes des patriotes. On parle politique, on parle de vie, on parle de tout. Donc, pour tous les gars qui veulent sortir ce soir sans dire à leur femme où ils vont, il y a une nouvelle technique. Il y a une nouvelle technique. Je vous dis la technique. En passant,
Il y a une pétition qui circule pour tous les femmes qui veulent la polygamie en France. Ça va éviter beaucoup de problèmes de couple. Vous pouvez signer la pétition. On vous encourage énormément. Donc, on partage au maximum. Pour tous les gens qui sont invités ce soir dans les fêtes, n'oubliez pas vos plastiques. Pour tous ceux qu'on a invités ce soir dans les fêtes, dans les réceptions, n'oubliez pas vos plastiques. C'est des règles d'or. Un bon touriste ne marche jamais seul. Il y a les fondamentaux. Quand on est touriste, on a une responsabilité. On représente tous les touristes partout où on se pose. Parce que le ndok, c'est le courage. Le ndok, c'est le cœur. N'est pas touriste qui veut. Vous avez compris. Donc pendant ce temps, on développe, on partage, on envoie des connexions partout. Donc faites comme ça, c'est un live de théorie. C'est-à-dire, vous partagez ça partout. Et oui, c'est pas possible. Salut Miguel. Super fan Miguel. Aïe! Diamant brut. Ma moitié. Donc pour ceux qui s'amusent à attaquer Diamant brut, faut déposer parce que Diamant brut c'est un conteneur de femmes. Donc là où on est là, nous sommes des patriotes, nous sommes des Camerounais. On a fait le terre au pays, on est arrivé en Beng. On ne nous a pas parachuté en Beng par hasard. Parce qu'en Beng, ceux qui réussissent, ce sont des braves. En Beng, ceux qui réussissent, ce sont des commandos. Parce que pour être agent de sécurité, enchaîné avec un taf de nuit à part, agent de sécurité le jour. Ouais, Katik à la nuit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Femme de ménage le jour, travailler avec les vieux la nuit. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Vous pouvez être un dur. Eh oui, faut être un vrai patriote. Métier au boulot, dodo, ça a dépassé beaucoup si on rentre au pays. Mais nous, on est encore en place, on tient le coup. Eh oui, on va combattre le système de corruption qui est mis en place par ceux-là même qui veulent détruire le pays. Eh oui, c'est pas parce qu'on lave les caca en beng, on a minimum le bac. C'est pas parce qu'on a agent de sécurité en beng, on a minimum le bac. C'est pas parce qu'on ramasse les ordures en beng, on a minimum le bac. Eh oui, on a des BTS, on fait le ménage, on veut rentrer chez nous. On a des BTS, on a agent de sécurité, on veut rentrer chez nous. Eh oui, on a des maîtrises en économétrie, on a agent de sécurité, on veut rentrer chez nous. Libérez le Cameroun. Libérez mon pays et... Ouais, ces vieux qui ont installé les réseaux de corruption, les réseaux de trafic d'influence. Ah oui, libérez notre pays. La bande à Ketchake, libérez notre pays. Ah oui. Tant que tu ne parles pas, toi et moi, Balbo aussi. Eh oui. Dieu merci d'avoir créé les réseaux sociaux. On va savoir qui est qui. On partage ça au maximum. Mes amis touristes, partagez-moi ça au maximum. Eh oui, le touriste, c'est une question de cœur. Le ndok, c'est le courage. Donc, si tu n'as jamais été un ndok mongol dans ta vie, boum, Mbeng sera Dieu pour toi. Mais quand tu arrives en Mbeng, avec ta licence au Cameroun, on te dit que tu vas laver les caca, boum. Tu retrousses les manches, tu vas au charbon, tu laves les caca, là tu envoies l'argent dans ton pays. C'est ça qu'on appelle un commando, on appelle un patriote. Un fémant, c'est un lâche. Eh oui, un escroc, c'est un lâche. Mais quand les vrais Camerounais débarquent de Roissy avec les licences dans la poche, ils sont agents de sécurité, ils ferment leur bouche. Parce qu'on dit qu'un jour, le pays va changer. Quand les femmes arrivent là, à Roissy, avec des licences dans la poche, des doctorats dans la poche, des maîtrises dans la poche, elles vont torcher les cacas. Non, il faut mettre le respect sur ça. Vous avez compris? Il faut mettre le respect sur ça. On n'est pas là pour blaguer. Eh oui, pensez que quoi? On a le cœur dur. On a des diplômes dans la poche, on torche les vieux. On a des diplômes dans la poche, on a agent de sécurité. On a des diplômes dans la poche, on ramasse les caca dans la rue.
On a des diplômes dans la poche, on dort dehors. On veut rentrer chez nous, libérer le Cameroun. Eh oui, on envoie le jingle qui déchire. C'est pas possible. Allez. On envoie. Si ma vérité te dérange, zappe mon direct. On partage. Si ma vérité te dérange, casse ton téléphone. Je suis patriote et fier de l'ex. Amer Kamerje. Si ma vérité te dérange, quitte-tu mon mur. Si ma vérité te dérange, arrête la corruption. Si ma vérité te dérange, arrête le trafic d'influence. Sinon, écoute. On veut un Cameroun libre. Amov, le beat là est bon, je vais mixer ça demain. C'est pas mal ça. Tananana, si ma vérité te dérange, libère mon Cameroun. Si ma vérité te dérange, arrête la corruption. Si ma vérité te dérange, arrête le trafic d'influence. Je suis patriote camerounais, fier de l'être. Partagez. Hey. Mauve, le beat la donne, le beat la donne. On va composer ça ensemble. Tanana. Si ma vérité te dérange, arrête la corruption. Si ma vérité te dérange, arrête le trafic d'influence. Si ma vérité te dérange, libère mon pays. Patriote et fier de l'être. Écoute, Wawour, oh you know. Bah, non, le bide est bon, le bide est bon. Guilette Chapuis, Diamant Brut, l'équipe en place, Patrick Manga, Coquine. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Ouais, si ma vérité te dérange, ne confisque pas le pouvoir du Cameroun. Zapponti. Ah non, non, non. Ah ouais. Si ma vérité te dérange, libère mon Cameroun. Je suis patriote et fier de l'être. Écoute. Amen, Kamerje. Tiens, je vais remettre ce beat là. Je vais retravailler le beat. Bon, on a combien de partages? Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sape mon direct. Les gars, lolo, stop, polo, 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 polo. Les gars, on a 170 partages, c'est pas normal. Donc je passe mon temps à faire une introduction pareille avec une inspiration venue tout droit du Cameroun, tout droit des jeux les Pygmées. Je vous demande de partager, vous blaguez. Nous sommes des patriotes, on partage au maximum. Nos lives, c'est une fête. C'est une fête. Le vivre ensemble, c'est là. Cameroun Connection, c'est ici. On a 170 partages, les gars, sérieux. Sérieux. Les gars, ne me manquez pas de respect à ce point-là. Ne me manquez pas de respect à ce point-là. J'espère qu'ici, il y a les gars du Nord. Il y a les touristes. Donc, lancez-moi le partage au maximum. On est en train de blaguer. Depuis que tape la talakou, là, vous ne voulez pas partager. Les gars, ceux qui ne partagent pas, c'est ceux-là qui ont détourné l'argent au Cameroun. Parce que je pense que les gars qui sont là, ce sont les affamés. Ce sont les gars comme moi, les gars du terre. Les gars qui ont Mboza, qui sont venus récupérer pour partir avec. Et récupérer légalement. On est venu muscler la matière grise pour aller développer notre pays. Les gars, partagez au maximum. Partagez au maximum. Normalement, ça va être une fierté pour vous de partager le live d'Amer Kamerje. Parce que ce n'est pas n'importe qui partage. Il faut avoir le droit. Il faut être validé. C'est les gars véridiques, les gars vrais, partagez le live.
On accorde même quoi? Vous n'êtes pas ivoirien. Parce que les commerçants, les mangeants, ceux qui vendent le Cameroun en pièces détachées, ce sont les Ivoiriens, ce sont les Abdelaziz. Ils vendent le Cameroun en détail. Nous ne sommes pas ces gars-là. Nous sommes des vrais Camerounais. On dit la vérité quand il faut. On défend le pays quand il faut. La paix, la paix, la paix. Quel qu'en soit le prix à payer, c'est toujours la paix. Donc partagez-moi le live au maximum. C'est même qui ça? Ne faites pas, je m'énerve sur vous. Vous me connaissez. Si les policiers n'ont pas l'origine, maintenant correctement en Suisse. Je suis un des seuls gars en Suisse que les Mbélé. Si Mbélé, on a. Le gars est toujours sorti vivant. Il a continué le live. Donc quand vous voyez les gars. Non, Emilienne, j'ai confiance. J'ai confiance. Toi, c'est super partage même. Donc voilà. Elle est quoi? Non! Ça, c'est un live où il y a les touristes. Parce que les lives d'Amer, quand on arrive, là, on partage d'abord. Chacun doit faire minimum 20 partages. L'empire du partage, c'est ici. On est chez Amer, on est chez les patriotes. C'est qu'est sûr. Le mot patriote au Cameroun, on te conduit en prison. Parce que quand vous allez voir les ministères au Cameroun, quand tu dis que tu es patriote, bon, on te met 2 jours à la vue. Parce que maintenant, le patriote va chasser le corrompu. Le patriote va chasser le corrompu. Donc maintenant, vaut mieux dire que tu es de la basse. Vaut mieux dire que tu es de la basse. Tu as plus de chances de sortir vivant au Cameroun. Parce que quand vous allez dire que vous êtes des patriotes, nous sommes des patriotes camerounais. Les partis politiques, on va les manger cru. Nous sommes une mouvance. Génération perdue, là, c'est faux. On est en place. On est en place. Génération perdue, c'est nous. Génération Bozaïeur, c'est toujours nous. Génération licence à la poche, il fait le Ben Sikine, c'est toujours nous. Donc partagez-moi ça au maximum. Tous les Ben Sikineurs qui sont là, partagez-moi ça au maximum. Oui, on fait le Bayam Salam avec les doctorats dans la poche, c'est toujours nous. Libérez notre pays. Ah oui, on parle même de quoi? Je vous lance le but qui tue. Sérieusement, ne manquez pas de respect à Amer Kamer. Parce que là où je suis là, j'ai payé à ma fille 50 euros pour qu'elle me laisse faire le live jusqu'à minuit. Donc ne vous amusez pas, il vient de perdre 50 euros. Soara. Donc entre théories, s'il y a les théories en place, partagez-moi ça. Vous n'avez pas vécu à Bonapiso, vous n'avez pas grandi à Bastos. Vous n'avez pas grandi à Mokolo, à Bounamoussadi. Les gars qui partagent, ce sont les gars de Mokolo. Ce sont les gars de Nkololoun. Ce sont les gars qui sont nés dans la galère, ont eu des diplômes, qui sont au chômage. Ce sont les gars qui partagent. Libérez notre pays. On va vous combattre le tout si. Ouais. Merci le gars qui a créé Internet. Merci le gars qui a créé Facebook. Eh oui, l'agent de la CANO, on va nous dire là où c'est parti. Oh. Eh oui, Paul Biya a demandé qu'on l'aide. Mais les gars qui sont là-bas ne savaient pas que ce sont les gars de Nkololoun, de Mokolo qui ont venu aider le président. Parce qu'on a tellement galéré dans notre vie que quand nous avons Konegi, c'est le luxe pour nous. Eh oui, Mola. Konegi pour nous, c'est le luxe. Eh oui, parce qu'à Konegi, il y a la liberté d'expression. Eh oui. Donc, partagez-moi ça au maximum. Eh oui. C'est pas possible. Le nombre de partages est important. C'est pas possible. C'est pas parce que tu n'as pas été dans une fête qu'on ne peut pas te garder le plastique. Si ton ami est dans une fête sans billet d'invitation et qu'il est parti avec son plastique, tu es sûr que toi qui es resté au quartier, tu auras le de la damée. Donc c'est comme ça que les lives d'Amer Kamer sont. C'est un live de théoriste. Quand tu écoutes que Ketchak a frappé à lui tout seul plus d'un milliard, tu dis ça à ton pote que boum, le gars là, c'est dangereux. Donc on lance les partages, là, je remets le beat. C'est pas possible, ne me manquez plus de respect comme ça. Hein. Casse ton téléphone. Sinon, partagez-moi ça au maximum, les gars. On va exploser les partages.
Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Ah ouais, 300 partages, enfonce, enfonce. Si ma vérité te dérange, sors mon direct. Bon, on va commencer. Je vais vous faire une petite démonstration. On partage pour l'instant. Je m'adresse aux théories. Écoute. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sors mon direct. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sors mon direct. Si ma vérité te dérange, passe ton adieu. Sinon, écoute. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sors mon direct. Si ma vérité te dérange, passe ton adieu. Sinon, écoute. Si ma vérité te dérange, quitte sur mon mur. Si ma vérité te dérange, sors mon direct. Si ma vérité te dérange, passe ton adieu. Bon, on partage. Sinon, écoute. Bon, le gars est comment là? Le gars est prêt. On a combien de partages? On va voir le nombre de partages. Il nous faut nos 500 partages. Bon, avant de commencer, parce que je vous donne les techniques de guerre. Je ne vous dis pas n'importe quoi. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Voilà. J'ai deux projets dans mon face, donc j'ai oublié de mettre mes lunettes. Voilà. Bon. On a combien de partages? 337 partages. On continue à partager. Bon, je vais m'adresser aux gens qu'on a invités ce soir. On est des théoristes. Ça veut dire que rien ne nous fait plus peur. Je vais m'adresser à ceux qu'on a invités ce soir. Quand je m'adresse à mes potes, à mes frères de combat, je ne m'adresse pas à n'importe qui. Je m'adresse aux gars qui n'ont pas peur, ceux qui ont affronté le désert, ceux qui ont pris l'avion, avec le bac dans la poche, et sont arrivés en France pour faire le ménage. Quand tu es théoriste, mon frère, le climatiseur chez moi, tu me demandes qu'il n'est pas chaud. J'ai le climatiseur chez moi, Pema Yundurou. Hein. Ça veut dire qu'on t'invite dans une soirée. Partez toujours avec les plastiques dans la poche. Ne blaguez pas. Quand quelqu'un t'invite pour manger, ne blague pas avec lui. Il t'invite pour l'anniversaire. Mbom, il a l'argent. Il t'invite pour la première commune de son enfant. Il a l'argent. Donc quand tu arrives là-bas, ne blague pas. Tu es un théoriste. Et oui. Quand on parle de commandant de Neubé, de Bépanda pour aller manger à Bonaprison à Bastos, ce n'est pas les blagues. Quand on parle de Mokolo pour aller manger à Bastos, ce n'est pas les blagues. Donc quand on t'invite avec un oncle qui a l'argent, positionne-toi. Ça veut dire que tu mets une veste comme j'ai mis là, dans la poche. Tu as ton plastique pour mettre Igname,
Miondo, tout. Pendant ce temps, vous partagez. C'est le commentaire, vous partagez pendant ce temps. Pendant que table, le commentaire, on appelle ça l'entrée de jeu. Ça dit Miondo, plantain, tout, vous mettez dans le plastique ici. C'est un sac poubelle très efficace. Même le riz, vous mettez dedans, surtout le riz sec. Ne blaguez pas. Quand on vous invite quelque part, vous êtes là-bas pour un job. Il t'a invité pour... C'est son problème. Si c'est la, si t'as invité pour la première communion de son enfant, c'est son problème. Ce n'est pas ton problème. Tu n'es pas là pour la première communion de ton enfant. Parce que si tu lui demandais de te dépanner sur l'argent, elle n'allait pas te donner. Donc c'est le week-end qu'on pointe sa soirée, quand sa semaine. Si tu es célibataire, ne manque jamais un anniversaire, ne manque jamais une première communion, ne manque jamais une confirmation. Quand tu débarques là-bas, tu débarques avec ce petit plastique. Pour mettre dans la poche, c'est deux secondes. Tac, dans la poche. Quand tu arrives, c'est très important. Assois-toi toujours à côté de celui qui est invité. C'est là où il y a les plus gros morceaux de viande. C'est lui qui commence. Donc quand tu arrives, ça c'est un sac poubelle très efficace. Ça te prend même les bouteilles de vin. Ça te prend même les bouteilles de vin, ça ne se déchire pas. Ça te prend les packs de millions d'or, ça se déchire, ça ne se déchire pas. Ça te prend le macabo, ça ne se déchire pas. Donc c'est très important, ce sac jaune. Vous voyez l'efficacité du sac. Quand tu arrives au secteur, vous voyez, c'est un sac très efficace. Donc pour les touristes, on n'a pas les oncles ministres. Ils ont volé tout le pays. Donc vous le prenez. Je comprends pourquoi on ne m'a pas invité à l'ambassade le jour-là. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Donc vous prenez ça, vous mettez ça. N'oubliez pas, très important. Poche gauche. Miondo, Hero. Plantain, riz. Poche gauche, vous mettez là. Vous ne blaguez pas. Le tourisme, ce n'est pas une blague. Le ndok, c'est le courage. Donc ne blaguez pas avec ces histoires. De l'autre côté, c'est là où on met ce qu'on appelle le lambre. Deux plastiques différents. Quand tu sors le blanc, tu sais là que c'est là où tu vas mettre le poulet, le maquereau, tout. Et il faut être technique. Un bon touriste, c'est quelqu'un qui est technique. On ne mélange pas n'importe quoi. Eh oui, tu peux mélanger la sauce d'arachide avec la sauce tomate, c'est compatible. Ne mélange pas le héros, le mbongo, non, c'est un amateur qui fait ça. Un professionnel, un bon touriste. Quand tu sors le deuxième plastique, tu vas aller repérer sur la table. Ce n'est pas les blagues. La plupart des gens qui viennent dans les soirées, ils viennent se la raconter. Toi, tu es là pour un job. Les gars viennent avec les vestes. Toi, ta veste doit avoir minimum 7 poches. Chaque poche doit avoir un plastique. Quand on sert les gens, ils vont dire qu'ils ont faim. Ils n'ont pas faim. Bon, tu ne blagues pas. Maquereau, dedans. Bar, dedans. Poulet, dedans. La sauce, tu laisses. Prends la viande, laisse la sauce. Si tu veux boire la sauce, tu vas boire l'eau. Donc on ne blague pas avec certains. Ça, on appelle ça le béaba du tourisme. Un tourisme doit savoir là où il part. Un tourisme ne part jamais seul. Si ton père a pris le million d'or, toi prends le macabo. Vous allez partager au quartier. Un bon tourisme se balade toujours les plastiques dans la poche. Ce n'est pas les blagues. Ce n'est pas parce qu'on en bain qu'on ne fait pas ça. On doit continuer le walk, même si on en bain. Ne blaguez pas. Une invitation, ce n'est pas les blagues. C'est l'invitation que tu peux pointer toute ta semaine. Ça te fait économiser 20 euros de course. Imagine-toi, tu prends 6 poissons. Un quart de poulet. Parce qu'en plus de ce que tu prends, tu as taxé ça dans la cuisine, tu prends là-bas. Quand tu repars, tu as fait tes courses de la semaine. On t'invite dans une autre fête, tu fais pareil. La première fête où le mot de pas m'a invité, demandez à ceux qui étaient au mot de pas. Amène quand même pas les cartons de nourriture, je ne blague pas. Demandez à Edgar Binasto. Je ne blague pas avec la dame quand on m'invite quelque part. Je ramasse. Eh oui, on ne blague pas avec l'argent. On ne blague pas avec les chops, la chop. On ne blague pas avec l'argent. Donc quand on t'invite quelque part, amène ton frère touriste. On vit ensemble. On appelle ça l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe. Le patriotisme même, c'est ça. On t'invite quelque part chez quelqu'un qui a l'argent. Tu débarques là-bas avec ton pote. Vous mangez là-bas, bien vous partez avec la nyama. Au moins pendant 3 jours, vous n'allez pas faire les courses. Soyez technique, soyez marché en 4-4-2 classique. Donc quand on est là, avant le début du live, on se donne des techniques de guerre. On appelle ça technique de guerre. Vous êtes sur internet, vous chassez les fêtes. C'est un job. Ça peut te faire économiser 100 euros par mois de course. Ne blaguez pas, moi ne blague pas. Quand on m'invite quelque part, je fais le job. Dans tous mes vestes, il y a toujours deux plastiques. Côté droit, maquereau, poulet, tout ce qui est viande dedans. On ne prend pas la sauce.
On ne prend pas la sauce. De l'autre côté, Miondo, bâton de manioc. Pas le héros, c'est mou. Le riz, très important. Quand on vous invite dans une fête malienne, très important, toujours le plastique. Donc maintenant, on va lancer le live. C'est pour vous dire, mais c'est pour dire à mes frères que c'est pas la blague. Quand on est touriste, on partage le live. Parce que le live d'Amer Kamer, c'est un live de touriste. C'est un live des gars qui veulent la vérité. C'est un gars des lives qui veut du changement. Le changement du Cameroun, c'est nous. C'est nous. Si ma vérité te dérange, arrête la corruption. Si ma vérité te dérange, libère mon pays. Ouais, les patriotes corrompus. On va vous laver ce soir. Ce n'est que le début. Maman, j'ai le. Eric, on va vous laver ce soir. Attends, j'enlève la veste. Là, je suis en Jordan de la tête jusqu'aux pieds. On parle même de quoi? Enlève la veste. Pour ceux qui sont invités ce soir, n'allez pas dire qu'Amer Kamer ne nous a pas donné la technique. Allô? Ouais, c'est bon, tu es en place. Ok, dans 10 minutes, je t'appelle. Ok. Bon, on va lancer les hostilités. Un dernier coup de pub, après on démarre. Mais là, on démarre. Casse ton téléphone. Sinon. Ah oui. Ils vont libérer notre pays. Bon, on lance les hostilités. On n'a pas le temps. Là, maintenant, les vraies choses commencent. Quand je me pose. Voilà, on va lancer les hostilités. Le patriotisme, on vous avait annoncé la couleur. On vous avait annoncé la couleur. Ketchak a commencé la corruption chez les patriotes. Tous les blogueurs patriotes vont chacun recevoir la part de dos pour la corruption. On est incorruptible. Amer Kamer est incorruptible. Amer Kamer ne connaît pas la corruption. Dans le tout aussi, le trésorier du Bamleke Power, le trésorier, la laverie, la blanchisserie de l'ambassade du Cameroun. Je ne vais pas laisser l'affaire. Libérer notre ambassade. Changement de personnel à l'ambassade, on en a marre. Des patriotes mendiants. Eh, je ne connais pas M. Ketchake. Je ne l'ai jamais vu. Je ne connais pas M. Ketchake. Je ne l'ai jamais vu. Si on me demande même c'est qui, je ne connais pas. Ouais, c'est toujours pour la corruption. Mes frères d'hier commencent à nier aujourd'hui. Les gars qui dorment à l'ambassade d'hier commencent à nier qui ne connaissent pas. Voilà où on en est aujourd'hui. Ah oui, le tout aussi. La diaspora parisienne, française, demande de libérer l'ambassade. La corruption commence. La plupart des patriotes commencent à encaisser l'échec. La plupart des patriotes commencent déjà à encaisser l'argent. Les gars, c'est toujours pour le Cameroun. Vous n'avez pas honte? Vous n'avez pas honte? Boadé, tu n'as pas honte? J'attends toujours la plainte. On porte Amer Kamer plainte parce qu'il dénonce la vérité. Je n'ai jamais vu M. Ketia, que je le connais même pas. Si on le met devant moi, je ne vais même pas savoir c'est qui. Voilà un gars qui dort à l'ambassade matin, midi, soir. Voilà un gars qui respire à l'ambassade. Mais qui ose dire à Mondiovision, je ne connais pas M. Ketia, que si on me met devant lui, je ne sais pas c'est qui. Hesh! Hesh, Cameroun. Cameroun. Alors on allait chercher sa part. Il a trouvé qu'il allait embouteiller, il est rentré chez lui. Les patriotes mendiants. Les patriotes de la galère. Voilà. Je ne suis pas l'avocat de M. Ketchanke, je ne le connais pas, je n'ai jamais vu, je n'ai jamais rencontré. Si vous me présentez M. Ketchanke, à part la photo. Ce garçon, c'est un corrompu. Je ne l'ai jamais rencontré. C'est un corrompu. Évitez-le si vous voulez le bien du Cameroun. Quoi? Il fait partie de ceux-là que M. Ketchanke a corrompu.
Vous voulez payer les patriotes, allez payer la basse. Nous ne sommes pas à vendre. Nous ne sommes pas à vendre. On veut que vous libérez notre pays. Monsieur Kétiaque, si tu aimes bien le Cameroun comme tu aimes, comme tu dis, pourquoi tu cherches à me corrompre? Tu as essayé, ça n'a pas marché. Tu passes par les autres patriotes maintenant pour prendre l'argent. On voit quelqu'un, yeah! Eh oui, la honte. Voilà un gars qui s'est dit panafricain. Abdelaziz, je veux te rendre populaire. Tu oublies que tu as attaqué M. Kétiaque pour cette histoire. Aujourd'hui, tu fais comme si c'est M. Propre. M. Clean, tu as reçu combien, Aziz? Tu faisais partie de cette base. Le neveu de Kétiaque, toi, vous êtes lié, Aziz. Tu as eu combien? Tu as eu combien? Quand ils insultaient le sultan, tu étais où? Tu étais où? Quand on te demandait d'être patriote, tu étais où? Aziz. Aujourd'hui, tu parles de Junior Zogo. Junior Zogo a eu le courage de dire, mes frères, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Ça s'appelle un homme. Vous pensez que être un homme, c'est sortir le muscle? Non. Un homme, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il a fait. C'est quelqu'un qui a ce qu'on appelle une remise, c'est-à-dire une remise à niveau permanent, une remise en question. Un homme, c'est celui qui sait demander des excuses quand il a fait une erreur. C'est ça un homme. Tu débarques aujourd'hui, tu dis que M. Kétiaque, c'est M. Propre. Non, tu ne peux pas nous manquer de respect à ce point. Tu ne peux pas nous manquer de respect à ce point. Je te classe dans la même vague que Boadé. Normalement, on doit t'appeler Abdelaziz Boadé. Eh oui, Abdelaziz Boadé. Abdelaziz, tu faisais partie de ces gars qui voulaient me porter plainte. Tu as oublié? J'ai le message que tu m'as envoyé. Que tu as me porté plainte parce que je suis tribaliste. Parce qu'il a dit qu'un Bamleke ne sera jamais au pouvoir. Est-ce que c'est être tribaliste? Non, je te dis mon opinion. Ben oui. Aujourd'hui, dis-nous combien tu as reçu. Que tu as payé combien? Combien tu as pris? Man, aie le courage. Vois le Cameroun. Vois les jeunes Camerounais qui y est. Moi au moins, j'ai le courage d'éteindre la basse et de dire maintenant aux Camerounais que le vrai combat est en train de commencer. Le vrai combat commence. La corruption, c'est qui? C'est la bande à Kétiaque. Vous voulez qu'on ne dise pas ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas qu'on dise ça? Et pourtant, on sait que c'est la vérité. El Casa de Kétiaque, c'est le nom de l'ambassade du Cameroun. La Casa de Kétiaque. Monsieur le blanchisseur, monsieur la corruption, il est dans tous les réseaux. Vous voulez qu'on parle de quoi? Non. On ne peut pas. On ne peut pas permettre ça. Il y a les jeunes Camerounais qui comptent sur nous. On va faire quoi? On est des mendiants? Mais les gars, trouvez-vous un job. Lavez les cacas, bailler la poubelle. C'est ce que je fais. M'arrive de laver les cacas, faire la sécurité. Je fais tout ça. Ça ne fait pas de moi un sous-homme. J'aide mon pays. Je travaille pour mon pays. On dit tous les jours, Amer, Kamer, le corrompu. Je m'en fous. Je m'en fous. Je bosse pour le Cameroun et non pour le gouvernement camerounais. Je suis en partenariat. La brigade est en partenariat avec le gouvernement camerounais. Mais la brigade ne bosse pas pour le gouvernement camerounais. Eh oui. J'ai un pote en ligne. Je vais l'appeler John Doe. Quand on parle de M. Kétiaque, Les gars, ne nous manquez pas de respect. Ne nous manquez pas de respect à ce point. Vos attaques justifient notre, c'est-à-dire vos attaques permanentes justifient le fait que nous sommes sur la bonne voie.
On parle de la corruption au pays, pourtant que le maître de la corruption est ici à Paris. La basse. Là, je vais m'adresser à la basse. Pourquoi vous ne parlez pas de Ketchake? Marc Seigneur Ivoire. Calibri, calibro. Calibri, calibro. Bro, 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 bro. Marc Seigneur Ivoire. Wanto est en collaboration permanente avec Ketchake. Mbwamo, collaboration permanente avec Ketchake. C'est Ketchake qui finance le CDD. On va vous le démontrer. On va vous le démontrer. Basse de merde. C'est maintenant que le combat commence. Après agresser les vieilles femmes. Vous savez faire quoi? Maintenant, il faut mettre un nom. Il faut faire une triangulation. Vous organisez. Voilà un gars comme Boris Berthold qui est en train d'organiser la collecte de fonds pour les enfants des prisonniers. Et pourtant que lui-même, il a pris l'argent. 43 000 euros, monsieur Boris. Pourquoi tu n'as plus jamais parlé de Ketchake? Tu as eu combien? Tu as eu combien? Merdeux. Vous parlez du Cameroun? Vous parlez. Aujourd'hui, vous êtes où? Vous êtes où? On ne vous voit pas. Maintenant, il faut dénoncer les vrais gars. Vous fuyez. Parce que vous avez peur, hein? Oui, c'est facile à taper sur les filles à Lyon. C'est facile d'arracher les perruques des femmes. Car moi, la mauviette. Kemta. La mauviette. Brice Dintieu. La mauviette. Voilà les gens qui travaillent avec M. Ketchake. Kemta. Brice Dintieu. Wanto. Le CCD. Le CDO. Voilà les mêmes gars qui travaillent. Voilà les mêmes gars qui perçoivent l'argent tous les jours. Vous voulez parler de quoi? Il y a des Camerounais qui se sont réveillés. Il y a des Camerounais qui se sont réveillés, qui ont dit non. Qui ont dit non. C'est notre pays. On refuse l'argent. Je vais laver les cacas tous les jours. Je ne vais jamais prendre l'argent de Ketchake. Je vais laver les cacas tous les jours. Tous les jours. Maintenant, on veut savoir qui est patriote. Le mot patriote va vous coûter au moins une garde à vue au pays. Vous qui descendez au pays, vous qui likez les lives d'Amer Kamer, là, je pense que vous savez ce qui vous attend. Parce que la corruption de M. Ketchake bat son plein dans la diaspora. Chacun reçoit les pots de vin. Il faut attaquer Amer Kamer. Même dans ma propre équipe, on m'attaque. On m'attaque. Dites-moi, les gars, c'est le trésorier de ceux qui sont en prison et le trésorier de ceux qui sont en train de gouverner. Monsieur Ketchake, c'est le trésorier de tout le monde. D'où on l'appelle Monsieur Intouchable. Il ose dire haut et fort que personne ne le peut. Parce qu'il gère les locations d'avions du chef de l'État. Parce qu'il gère les locations des voitures des ministres. Parce qu'il gère la location de tout ce qui est comme ministère. Parce qu'il y a des transactions de billets de banque entre X ou Y. Donc c'est Monsieur. C'est-à-dire on appelle El Niño le 10. La casa de Ketchake en Bakam. C'est le gars qui choisit qui doit venir à la réception ou pas. Vous pensez comment refuser le billet d'invitation? Pourquoi? Un ancien terroriste comme moi. Aucune fête ne peut passer au Cameroun. Quand j'étais au Cameroun, une fête ne peut pas passer au quartier sans que moi ne suis pas là. Il manque d'aime. À l'ambassade. Moi, un terroriste est défini. Le tout aussi, bon, tu as fait fort. Il ne fallait pas ouvrir ce portail le jour-là. Je dormais chez moi quand on m'appelait pour me dire « Amen, Kamer, oh pardon !» Là-bas, c'est à l'ambassade. J'ai pris l'enquête là, j'ai regardé, j'ai analysé. J'ai dit « C'est qui ce monsieur qui ouvre le portail ?» Quel est le monsieur qui est en train d'ouvrir ce portail? On m'a dit, monsieur Ketchake, j'ai dit quoi? J'ai déjà entendu son nom dans plusieurs dossiers. Eh oui. Et quand je tombe pour analyser la situation du gars, je me rends compte que c'est là où il faut taper. C'est là où il faut taper.
C'est la seule personne qui est en relation avec tous les ministres qui sont en prison, qui ont l'argent. Et en relation avec tous les ministres qui travaillent. Et en relation avec la présidence, c'est tout M. Kechake. Mais pourquoi on ne veut pas dire à d'autres Camerounais que M. Kechake traîne avec le MRC, il traîne avec la basse. Pourquoi on ne veut pas nous dire ça? Sérieux? Pourquoi on ne veut pas nous dire que M. Kechake nage avec la basse? Dites-nous. Maman, le tout aussi. Hey! Merci Dieu, tu étais là le jour là. Merci la basse pour les vidéos. Je vous dis merci. Merci la basse pour vos vidéos. C'est lui qui a ouvert le portail ce jour-là. Attends, John Doe, il te prend. C'est lui qui a ouvert le portail ce jour-là. Je ne peux pas oublier ça. Je ne peux pas, mais l'abbé, je ne peux pas. Je ne peux pas oublier ce jour-là où M. Kechake a ouvert le portail. El Niño le 10, la casa de Kechake. Là, il va encore rien vu. Plus tu vas payer les gens pour nous corrompre, plus je vais augmenter ton dossier. Le président de la République doit savoir que tu marches et tu traînes avec la basse. Les Camerounais vont savoir ça. Oui, il y a des filles qui ont été agressées à cause de tes subventions nocturnes. Eh oui, aujourd'hui, on voit, tu paies mes anciens camarades d'hier pour m'attaquer. Bon, tu as tapé à côté. Je vais encore montrer aux Camerounais cette vidéo pour que les Camerounais puissent bien. C'est lui qui est là. C'est le gars qui est là. Il ouvre le portail. Il dit qu'il ne voyait pas bien. Comme si le grillage, comme si on ne voit pas à travers les barreaux là. Attendez, mets le vrai volume, dis donc. Ça ne donne pas le goût. Je mets le vrai volume. On parle même de quoi? C'est lui qui ouvre. Il dit qu'il ne voyait pas. Tout le monde entre et entre vous tous. Entrez. Entrez tous. Regardez. Entrez, entrez. Tout le monde entre et entre vous tous. Entrez. Entrez. C'est lui. Regardez. Oh. Pause. Voilà. Il ouvre le portail en tant que qui? Il est qui? Pour ouvrir le portail, il voit qu'il y a la base d'hommes, mais il ouvre le portail. Et il fait semblant de fermer. Il fait semblant. Voilà ce qui m'a amené à m'intéresser à Kechake. Eh oui. Parce qu'on a toujours cherché, qu'est-ce qui ne va pas à l'ambassade? Pourquoi ces gars sont renseignés? Et là, monsieur Kechake, je défends mon pays. On doit te limoger. C'est une preuve professionnelle grave. C'est quoi ce pays où les gens font des fautes de malades et on les laisse au pouvoir? Non, Kechake, tu dois partir. Tu dois partir. Vous pensez que quoi? Comme blague? On blague pourquoi? Je ne suis pas là pour blaguer. Kechake ne blague pas. Comme tu connais Wang Tu, tu connais Max, tu connais Nguamo, ton neveu, même famille. Celui qui organise les soirées camerounaises. En même temps, celui qui est du MRC. En même temps, celui qui parle à la basse. Wang Tu, ton frère de Réunion, qui traîne avec Max. Vous qui croyez en toutes les familles, vous croyez en le blanc, vous pensez qu'on ne connaît pas. Vous pensez qu'on ne connaît pas? On est venu t'avertir qu'on devait casser l'ambassade. Tu t'en foutais parce que je suis sûr que c'est toi qui as organisé le casse de l'ambassade. Monsieur les autorités du Cameroun, vous pensez que quoi? Parce qu'il est là depuis 36 ans, il ne peut pas monter un coup contre le Cameroun. Hein? Si c'est quelqu'un d'autre qui a couvert le portail, c'est qu'il n'existe plus. Pourquoi quand c'est Kechake que vous laissez? Pourquoi quand c'est Kechake que vous laissez? Il vous tient à quel niveau?
Il dit partout qu'il est puissant. Qu'il ne fait de rapport qu'au président de la République. Hey! On dit quoi là? On dit quoi? Sérieux? On fait comment? Quelqu'un qui vient ouvrir le porte, l'ambassade, pas n'importe où, pas le portail de son commerce, pas le portail de chez lui, mais le portail de l'ambassade du Cameroun, le portail du verrou jaune du 237. Il ouvre ça, il dit aux gens, venez casser mon pays. Venez, c'est ici, venez casser. Ouais, Camerounais. Vous voulez qu'on laisse l'affaire? Parce que vous avez cette habitude de toujours laisser. Le tout si on ne laisse pas. Tu vas payer tous les patriotes que tu veux. Mais la brigade, tu ne vas pas payer la brigade. La brigade en place. Monsieur Ketchak, tu es entouré de la brigade. Tous tes faits et gestes sont filmés matin, midi, soir. Matin, midi, soir, on t'a l'œil. Maintenant, tu as dit que tu prends pour le président. Non, on bosse pour le président. On va te surveiller. Quand tu expires, on expire. Quand ton cœur tape un, on tape deux. Mais nous, Balba aussi. Ça veut dire que toi et moi, là, on ne peut même pas expliquer ça en français. Ça va tuer le oui. Renseignez-vous. Si vous n'êtes pas bassard, renseignez-vous. Mais nous, ouais, Balba aussi, toi et moi. Toudé n'a toudé. On doit laisser. Tu ouvres le portail que Dieu aux gens que venez entrer. Maman, tu es le président. L'image du Cameroun. Eh oui, on doit laisser l'affaire. Pourquoi ce n'est pas un bassin qui est venu ouvrir le portail pour qu'il me charge plein de ce bassin-là? Pourquoi ce n'est pas un Douala qui est venu ouvrir le portail pour que je me décharge sur le Douala là? Il a fallu que c'est un Bamileke qui vienne ouvrir. Quand je vais encore parler, on va me dire Amer Kamer Tribalis. Est-ce que je savais que Ketchak est Bamileke? Non. J'ai seulement dit une chose. Qui a ouvert ce portail? Il s'appelle qui ce monsieur? Quand j'ai entendu monsieur Ketchak, je suis entré sur Facebook, sur YouTube, sur Instagram, sur Google, sur tout. Là, je me suis rendu compte d'une chose. Le gars là, il est tout. Sauf honnête. C'est l'ami de Kamto. C'est l'ami du président de la République. C'est l'ami de Kemonye. C'est l'ami de Nanfak. C'est l'ami d'Ababa. C'est l'ami de Moutazé. C'est l'ami de tous les hommes. C'est l'ami de Mendoza. C'est l'ami de Mbengo. C'est l'ami de tout ce monde. Voilà pourquoi il s'est dit puissant. Parce que comme une bande de voyous a confisqué le Cameroun, et ils ont mis un trésor payeur, M. Ketchak El Blanco, le blanchisseur national. Si vous voulez détourner l'argent au Cameroun, appelez M. Ketchak, il va vous faire les délégations de crédit. Si vous voulez détourner 2 milliards, appelez M. Ketchak, il vous fait les délégations de crédit. El Blanco El Niño, le blanchisseur. Eh oui, le blanchisseur. On va dire quoi? Est-ce qu'on a les moyens? On n'a pas les moyens. On n'a pas les moyens. Vous voulez qu'on fasse quoi? On n'a pas les moyens. Oui. Allô? Oui, John Doe, comment ça va? Ah, ça va et toi? Oui, ça va bien. Est-ce que tu as suivi ce qu'Aziz a fait aujourd'hui pour blanchir M. Ketchak? Mais j'ai très bien suivi ton direct et je peux te dire que je suis resté bouche bée. En fait, allô? Oui, on t'écoute. Tu passes en direct, on t'écoute. Voilà. C'est un direct en fait que j'avais ce que j'ai suivi. C'est aujourd'hui comment j'ai suivi ça. Mais je suis resté un peu. J'étais très mal à l'aise. Pourquoi? Parce que, en fait, Monsieur Abdelaziz Moundé est en train de faire ce qu'on appelle un nettoyage, dans le lavage d'une personnalité. Il est en train de vouloir rendre propre ce qui est sale. Il est en train de vouloir rendre propre ce qui ne peut pas être propre. Abdelaziz est allé, c'est-à-dire, je suis choqué, je ne sais pas comment est-ce que je peux dire ça.
Personne ne doute de l'intelligence d'Abdelaziz. Personne ne peut douter, surtout, en tout cas pas moi. Mais cette intelligence ne donne pas gloire à Abdelaziz d'utiliser des concepts, de les manipuler comme il a fait dans son direct qu'il avait fait l'autre jour, où il attaquait d'ailleurs Zogo. Oui, il parlait de Zogo. Oui. C'est Zogo, non? Le commissaire Zogo. Oui, Zogo. C'est le commissaire Zogo. Donc, voilà. Moi, là où ce que j'ai compris dans son truc, c'est que Abdelaziz, on connaît. Parce qu'il faut dire que Abdelaziz est dans le biaïsme primaire. Il est exactement tout ce que, c'est-à-dire pour lui, Biya doit partir à tout prix. Quitte à couvrir tout ce qui est sale. Quitte à couvrir tout ce qui est sale. Abdelaziz est allé au point de dire que il a donné les noms. Par exemple, la maison de Saint-Moi de Poussé, il a donné le nom de celui qui habite en ce moment en disant que c'est monsieur Foula qui réside dans cette maison et qui réside gracieusement. Il a même dit que ce monsieur n'a pas payé une facture de 1000 euros d'électricité et confort. Il est même allé jusqu'à dire que cette personne que je suis Airbnb dans cette résidence qui est un hôtel particulier. Mais il est allé jusqu'à dire que cette maison, en réalité, coûte 3 millions d'euros ou 4 millions d'euros. C'est-à-dire, il est allé en disant que c'était une résidence privée, mais elle n'a pas démenti que la maison, effectivement, appartenait à M. Levy. Il n'a pas démenti l'implication de Mme Fotso. Donc, il n'a pas démenti l'implication du cabinet Thibault-Egas. Il n'a pas demandé, mais la seule chose qu'il n'a pas prononcée, c'est monsieur Ketchake. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Abdelaziz peut faire cela? Comment Abdelaziz peut nous confirmer? C'est-à-dire, et il avait fait un direct avec pratiquement 500 à 1000 Camerounais qui écoutaient, où il dit que on peut se renseigner au niveau de la mairie, au niveau de la ville pour avoir des renseignements sur cette maison. Mais cette maison ne pouvait pas coûter cette somme-là. Tout le monde sait que cette maison, la somme initiale, elle était de 700 000 euros. Tout le monde le sait. Mais aujourd'hui, Abdelaziz nous démontre, et il a fait brillamment, il a fait intellectuellement. C'est-à-dire, il a menti. Il a brillamment menti. Il a dit que, effectivement aujourd'hui, si tu pars, si on se renseigne, effectivement, ils ont signé les papiers comme quoi la maison coûtait, la maison, elle valait 3 millions, elle valait des millions d'euros. Effectivement, sur les papiers qu'ils ont signés, la maison vaut ce prix-là. Mais en réalité, cette maison, quand tu prends, par exemple, l'agence dont on avait parlé la dernière fois, ouais, Madame Anne-Carole, cette agence immobilière qui a quand même une expertise de cette maison, oui. Hein, qui a quand même une expertise avérée, Madame Anne-Carole dit que cette maison ne vaut pas cette somme-là. Mais Abdelaziz a le toupet de nous dire que ça vaut que c'est plus là. Mais c'est choquant. C'est choquant, je me dis, si on dit qu'on doit assainir le pays, si on dit qu'on doit assainir le pays, qu'on ne fait pas, nous ne devons pas faire des partis pris. Nous devons être absolument corrects. Et il est allé plus loin en insinuant que on est en train d'attaquer les gens, on attaque Ketchake parce qu'il est barilégué. Donc, dans les sous-entendus de son commentaire, de ce qu'il sous-entend, on attaque ça que on le jette à la vindicte populaire parce qu'il est banniqué. Donc, moi, je pose donc la question à Abdelaziz Moundé, que, OK, on attaque ce monsieur parce qu'il est banniqué, très bien. Est-ce que Abdelaziz peut me dire que, je pose la question à Abdelaziz, devant toutes les personnes qui te regardent,
qu'ils nous disent que M. Ketaku n'a rien à voir, qu'il est propre dans cette affaire, qu'il n'a il a jamais eu, il n'a pas de magouille, il n'a rien fait dans cette affaire, qu'il est neutre. Que Abdelaziz vient nous dire ça ici, séance de Nantes. Je démontre par A plus Abdelaziz qu'il est un menteur, il est en train de. En tout cas, il ne dit pas la vérité. Parce qu'on ne peut pas faire qu'on engage un travail et tu vois quelqu'un venir, quelqu'un aussi brillant comme Abdelaziz Moundé, venir faire ce qu'il est en train de faire. C'est-à-dire il vient insulter les gens. Il insulte l'intelligence des gens. Il insulte le travail qu'on est en train de faire en disant qu'on est en train de mentir, on est en train de jeter M. Ketchak à la vindique populaire parce qu'il est bamileke. C'est ça qui n'est pas bien. Mais Abdelaziz Moundé c'est-à-dire Abdelaziz a quand même réussi quelque chose, c'est que il dit qu'on attaque Ketchak parce qu'il est bamileke, mais il jette quand même à la vindique populaire M. Foula. Ben c'est bizarre. Il a la vindique populaire M. Foula. Donc c'est facile pour lui de jeter M. Foula à la vindique. C'est facile pour lui de jeter M. Bondo Ayolo à la vindique. C'est facile pour lui de dire que M. Nguiniki, l'ambassadeur, n'habite pas dans cette maison parce que. C'est facile. Mais pourquoi pas Ketchak qui est le trésorier payeur? Pourquoi pas lui? Alors, je vais te dire quelque chose à l'air. Abdelaziz Moundé et d'autres journalistes tels que Eric Barfopoitou, ouais, tels que, comment il s'appelle, celui qui a été par j'oublie son nom, il y a un journaliste camerounais qui a été par Patrick Fondio, oui. Ils ont contacté Mediapart. Bon, je m'arrête sur Abdelaziz parce que c'est Abdelaziz qui s'est en fait prononcé officiellement. Il est allé à Mediapart parce qu'il faut dire qu'il est journaliste, donc il travaille dans le métier. Ça, c'est clair. Allô? Oui, on t'écoute. Voilà. Donc, il est allé, il a contacté Mediapart, effectivement. Il a eu un échange avec Fabrice Arfi. Fabrice Arfi, qui lui a dit que, effectivement, il ne s'occupe pas de ça, il ne connaît pas de quoi il s'agit. Effectivement, Fabrice Arfi ne peut pas lui donner des informations. Il ne peut pas lui donner une information à l'heure actuelle, parce que les gars sont en pleine enquête. Effectivement. Et ce n'est même pas une équipe. Ne fait même pas Fabrice Arfi, c'est-à-dire qu'il y avait. L'équipe est sous le contrôle, à l'heure où je parle, l'équipe qui avait enquêté sur ça, est sous le contrôle de comment ça s'appelle, Moudio. Il a un nom là. Bon, je vais m'arrêter jusque-là. Ouais. Mais en tout cas, l'équipe d'enquêteurs, journalistes qui enquêtent sur ces affaires-là, sont sous le contrôle d'une personne qui est très entrée. Qui est non, ne donne, non ne, donne pas son, ne donne pas son nom. On va laisser comme ça pour qu'il sache que non, ce n'est pas les blagues. Donc, c'est sur le contrôle de. Et Fabrice, puisqu'il a prononcé le nom, il a prononcé le nom de Fabrice Arfi, effectivement, Fabrice Arfi ne peut pas lui donner des informations. Et je peux le dire aujourd'hui. Ok. Donc, je peux le dire aujourd'hui avec autorité qu'il n'a eu aucune information de Mediapart. Et que Mediapart ne donnera pas d'information. Et Mediapart ne donnera pas d'information à qui que ce soit. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui circule. Je n'accuse pas Abdelaziz Moundé d'avoir tout l'argent. Mais je dis tout simplement que Abdelaziz Moundé, bizarrement, qui avait pourtant enquêté dans cette affaire, qui avait commencé à enquêter dans cette affaire. Parce que, rappelle-toi. Ouais, je me rappelle, oui, je me rappelle. Premier... Hein? Je me rappelle de ça, je me rappelle qu'il avait. On en avait parlé de ça, oui. On avait parlé de ça. Oui. Je disais qu'Abdelaziz connaît bien ce dossier. Oui. Voilà. Donc, bizarrement, aujourd'hui, il est en train de faire, c'est-à-dire, il incrimine l'État du Cameroun
il incrimine le gouvernement, et ça remonte plutôt sur Biya, parce qu'il est en train de dire que c'est la faute à Biya, c'est la faute au gouvernement, et effectivement, tout le monde est trempé dans cette affaire. Personnellement, on n'indexe personne, mais je refuse. Je refuse que ce soit facile. Parce que c'est très facile pour Abdelaziz, aujourd'hui, d'attaquer. Je suis désolé de le dire comme ça, mais je trouve que c'est trop simple, trop facile pour lui d'attaquer M. Oufoula, d'attaquer Vandoyolo, de jeter la vindicte populaire, tous ces gens. Nous les avons tous dénoncés ici. Voilà. Tu les as dénoncés sans embâge. Et là où je vais te rejoindre, c'est que, étant donné qu'il y avait déjà eu une prise de tête à l'époque où Vandoyolo était ambassadeur, avec ce monsieur Kechakeu. Oui, effectivement, il y avait une prise de tête. Il y avait une prise de tête. Parce que, et le plus grave, que je trouve le plus grave, et pas correct et malhonnête, c'est que M. Moundé, avec M. Moundé, s'est permis de dire que Ousmane Niay, qui est le ministre des Finances à l'époque, avait refusé un prêt de 350 ou 360 millions de francs CFA à M. Bondoyolo, et que M. L'actuel ministre, M. Motazé, est venu donner ce prêt-là à M. Bondoyolo pour s'acheter. Non. J'ai dit non. Il faudrait qu'on soit clair. Si nous disons que nous dénonçons la corruption, on dénonce tout le monde. D'où ça, n'importe où. Nous devons dénoncer la corruption à n'importe où. D'où c'est. Du moment où il y a la corruption, on dénonce. Parce que vous ne pouvez pas me dire que on dénonce la corruption d'un côté, mais quand on voit la corruption, parce qu'on ne peut pas me dire que on ne peut pas me dire que Kechakeu est un homme propre dans cette histoire. C'est faux. C'est très faux. Il est trempé jusqu'aux narines. Et le problème, c'est quoi aujourd'hui? Comme il est en train d'être lâché, tu vois que les gars sont en train de faire le bruit parce qu'ils sont bâtis avec une pression mais sur oui, lui. Mais effectivement. Une pression sur lui. Et je tiens à te rappeler quelque chose. Dans l'histoire de l'immeuble de la CAN, où on avait attribué le marché à Roméo Dika, où ils ont gagné le marché, soi-disant, avec Charlotte Dipanda qui était dans le coup. Mais il y a eu un trafic d'influence, tout simplement. Pourquoi? Je t'ai dit, dans cette histoire, il y a M. Tawamba qui fait surface. Parce qu'on n'oublie pas, M. Tawamba, c'est l'ami de Charlotte Dipanda. Non, attendez. M. Tawamba n'est pas l'ami de Charlotte. M. Tawamba, c'est le compagnon de Charlotte Dipanda. L'enfant que Charlotte Dipanda a. Ah, ok, d'accord. Allô? Oui, allô, Jérôme. T'as dit? C'est son compagnon. Et tout le monde connaît qui est Célestin Tawamba. Célestin Tawamba, c'est pas le porte-trim, c'est le président du GICAM. Et M. Kechakeu, il faut le notifier, a subventionné pour qu'il a donné son mot pour qu'il soit président du GICAM. Oui, il faut savoir que M. Tawamba, c'est un milliardaire. Et Tawamba a, donc, de toute façon. Et qui a fait Tawamba. M. Tawamba? C'est M. Ababa. Allô? Oui, allô, on t'écoute. Oui, donc, Célestin Tawamba, qui est un proche de M. Tocri, il faut dire que Célestin Tawamba est un homme d'affaires qui a été créé. Il a été créé de toutes pièces. Il a été créé de toutes pièces, ça, il faut le dire. Par Baba, l'ancien ministre par Baba, tout le monde le sait. Donc, c'est une même bande. Donc, il faudrait pas que même une dénonciation aussi grave et grossière devienne une affaire d'ethnie. On va mêler ethnie sur tout. Non, il ne faut pas. Abdelaziz Moundé n'avait pas le droit de faire ça. Que Abdelaziz Moundé dise des choses, dise des vérités. Il dise que monsieur Kétan qui est trempé dans cette affaire, comme ben tout oui. le monde. Parce que n'oubliez pas que dans cette histoire, il y a eu 133 millions qui ont été payés par délégation de crédit. Bien sûr. Par Kétchakeu à Paris. Et quand même maintenant, et quand on parle de l'histoire que Charlotte Dipanda a touché cet argent, on dit que non, maintenant on attaque les doigts là. Non, c'est parce que derrière Charlotte Dipanda se cache M. Tawamba qui a un lien
forcément, avec M. Kétiaque, donc on ne vient pas nous dire de n'importe quoi. De toutes les façons, de toutes les façons, ce qui est en train de se faire, c'est qu'on est en train de vouloir, parce que là, ce qui est en train de se passer, et tu sais, je vais te dire une chose, c'est que ils sont en train de réussir à faire quelque chose, à mettre dans la conscience collective que la dénonciation qui est en train d'être faite sur question que c'est une cabale ethnique. Et du coup, tu vas voir que ça décrédibilise tout le travail qui est fait autour. Voilà. Non, c'est, je vais dire ça aux gens qui nous regardent. Les gens veulent transformer cette enquête en une affaire ethnique. C'est faux. Monsieur Kétiaque n'aurait pas ouvert ce portail ce jour-là. On aura oublié Kétiaque. Mais c'est après ça, on s'est posé la question, mais qui ouvre ce portail? C'est qui ce monsieur? Voilà notre interrogation. Donc si monsieur Kétiaque veut qu'on dise que non, c'est parce que les Bamlékés qu'on l'attaque, c'est faux. Donc voilà, voilà la réalité. La réalité, c'est que c'est une idée. Est venu et il est en train de vouloir décrédibiliser le travail fait. Parce que, il faut dire, ce n'est pas une question ethnique, cette dénonciation. Elle n'est pas ethnique parce qu'il y a des ramifications dedans. Mais il y a des ramifications, effectivement, il y a des ramifications énormes. Tout le monde dans ce système a bénéficié, mais. Ce n'est pas bon qu'un gars comme Abdelaziz Mundé, qui est aussi brillant, vienne aujourd'hui, vienne faire comme si on t'attaque à M. Kétiaque parce qu'il est Bamlékè. Par contre, lui, il n'est pas mal à l'aise de jeter à la vindique populaire M. Nfoula. Non, il y a un deux poids deux mesures. Il faut qu'il arrête ça. Et il fallait que je le dise. Parce que moi, j'ai fait passer cette information-là et je te dis que tout ce qu'ils peuvent faire, parce qu'ils ont, engagé une... Je peux te dire qu'ils ont engagé une campagne et tu vas voir que il va faire des vidéos et ainsi de suite. C'est-à-dire pour décrédibiliser tout ce qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, Brice Bertold, il était à un événement à Paris, du MRC. Et tu vas le voir entrer dans la danse bientôt. Il va entrer dans la danse bientôt, alors qu'il avait parlé de cette affaire. Mais tu vas le voir entrer dans la danse bientôt pour dire que non, machin, c'est faux. Et tout ça, on prend monsieur Kétiaque, on le met derrière. Et on commence à dire que c'est du tribalisme. C'est du tribalisme parce qu'on dénonce M. Kétiaque. Pourtant, nous tous, on a dénoncé Kétiaque. On a dénoncé le cercle très fermé, le premier cercle du président de la République. On a dénoncé des ministres, des ambassadeurs, et qui n'étaient pas Bamlékè, qui étaient et les Douala, et les Petits, et tout le monde. Mais sauf que ça ne dérange pas. Ça ne dérange pas. Tant qu'on dénonce les Douala, les Petits, les Bastas, tout qu'on sort, ça ne dérange pas. Effectivement. Mais là, on va dire que derrière M. Kétiaque, il a une base forte parce que derrière M. Kétiaque, vous avez les Célestins Tawamba, vous avez tel nombre de personnes, vous avez. On a les Kémonié, on a les Lebou, parce que c'est bien sûr. Vous avez même les Moussiné, et tout qu'on sort, on dit que non. Quand on va dire qu'il y a les Wampo derrière, il y a celui qui organise des soirées là, Monsieur Wampa, et qui te suit la bouche, on dit que non, on est en train de tribaliser. On est en train de... Mais de tribaliser quoi au juste? On va tribaliser quoi? Quand on voit un lien entre M. Kétiaque et Mbamo, entre M. Kétiaque et Wanto, on va nous dire de tribalisme, mais vous prenez pour qui au juste? Et ça, il a oublié. Non, il faudrait qu'on soit sérieux. Monsieur, moi j'invite monsieur Abdelaziz Mundé d'être vraiment sérieux s'il veut vraiment dire qu'il dénonce tout ceci. Ok, dénonçons, mais il faut arrêter de divertir les gens avec cette histoire de tribalisme. Là, il ne s'agit pas de tribalisme. Il
s'agit d'une dénonciation. Il s'agit d'une mafia. D'une mafia. Une vraie mafia. Au sein de l'État. Ben oui. Pour lui, les fonds des Camerounais. Pour lui, l'argent du pétrole camerounais. C'est-à-dire que les immeubles, les trucs que M. Kétian a ici. C'est-à-dire que tu vas voir que les ministres viennent acheter des immeubles ici. Dès qu'ils sont arrêtés, c'est revendu aux enchères. C'est une vérité. On n'est pas en train d'inventer les choses. Il faut qu'on arrête de se foutre de la gueule du monde comme ça. C'est pas parce que M. Kétian est en train de balancer l'argent dans Paris ou il est en train de donner l'argent aux gens pour qu'on vienne le nettoyer dans les réseaux sociaux et qu'on vienne déstabiliser le travail en disant parce que qu'ils sont en train de faire. C'est qu'ils savent que Mediapart, effectivement, va sortir un document. Et dans ce document, il y a un monsieur qui a fait son entrée dans la chose. Et ce monsieur, bien sûr, c'est un banalité. Ben oui. Sauf que lui, il travaille, et il travaille avec Biya depuis des années. Il s'appelle M. Kala. Mm-hmm. M. Kala a Jeune Afrique Économique. M. Kala a d'autres trucs. Et il sait que. Et je vais encore te dire, de fois même pour faire le chantage au gouvernement, ils vont donner des articles à Jeune Afrique Économique pour mal parler du président de la République, pour racketter encore le président de la République. Ah, sérieux. Il faut qu'on arrête un peu. Il faudrait qu'on arrête. Parce que ce qui est en train de se passer, aujourd'hui, c'est que il faudrait que tout le monde nous écoute et que tout le monde comprenne que ça n'a rien à voir avec les banlieues. Cette histoire n'a rien à voir avec les banlieues. On n'est pas après M. Kétian parce qu'il est banlieue. Non, ça n'a rien à voir. C'est une prononciation d'un gang de braqueurs. Un gang de voleurs à col blanc, un gang de bandits et de voyous qui sont installés dans les sphères du pouvoir, des pouvoiristes, des personnes, des assassins qui se nourrissent du sang des Camerounais, qui se nourrissent de la souffrance des Camerounais pour mieux les écraser. Parce que l'argent qui est en train d'être dépensé, l'argent qui est en train d'être, c'est notre argent. C'est notre argent à nous tous. Et on se doit de dire la vérité. Et nous sommes en train de faire un travail, pas le vrai travail patriotique, c'est ce qu'on est en train de faire là. Le vrai travail patriotique, c'est ça. C'est que quand on voit ce qui n'est pas bon, on dit non, ça n'est pas bon, même si ça fait mal. Ben oui. Même si ça fait mal, on dit non, ce n'est pas bon. Vous ne pouvez pas prendre un voleur et vouloir mettre en dessous du haut, dans le ventre, pour dire que non, on s'attaque à lui parce qu'il est banlieue. Mais non, il faut arrêter à un moment. Il faudrait arrêter à un moment. À un moment donné, on ne peut pas continuer comme ça dans ce pays. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on fait ce qu'on est en train de faire là, aucun gars de la base ne parle de cette affaire. Aucun. Bizarrement. Aucun gars de la base ne parle de cette affaire. Il y a eu, par exemple, l'évacuation sanitaire de Yves-Michel Fosso. Personne ne parle de ça là-bas. Ok. Donc, il ne faudrait donc pas que, quand les autres vont prendre acte de toutes ces choses-là, ils disent, ok, désormais, on dit, comment on va toucher, par exemple, à M. Foula, qui est à Paris, qui est aussi un bandit, en passant. Quand le petit va se lever, donc je vais dire par exemple un second, ou je ne sais pas, ou un autre, dire que non, on est en train de toucher à lui. Pourquoi? Parce que, faudrait pas que les autres, faut pas que ce soit une surprise. Parce qu'on est en train de construire une nation où, dès qu'on va dénoncer quelque chose, ça devient une affaire ethnique. Ce n'est pas bon. Notre diversité ne doit pas être notre malheur. Notre diversité ne doit pas être notre source de problème. Mais en même temps, on ne peut pas laisser des gens voler l'argent public, les gens détruire le pays, des gens s'enrichir. Ils s'enrichissent. Ils se procréent entre eux, ils s'enrichissent, et les autres s'appauvrissent. Et quand ils s'enrichissent, on ne parle pas de tribalisme, hein? On ne parle pas de tribalisme. Donc il faudrait qu'ils arrêtent ça.
vraiment quelqu'un que j'ai beaucoup, j'apprécie énormément, Abdelaziz Moudé. Je sais qu'il voudrait que Biya parte du pouvoir. Je sais qu'il voudrait que Biya parte du pouvoir. À tout prix et à tous les prix. Mais quand même, il y a un peu de décence. Un peu de décence. Quand tu dénonces tout le monde, ok, mais la personne même qui gère l'argent, c'est la personne même qui gère l'argent, tu le prends, tu le mets derrière, tu le planches, parce que tu es un intellectuel, non, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est vraiment pas sérieux. Donc, monsieur, l'affaire de Tétianke n'est pas une affaire de parmi les pistes. Ce n'est pas une affaire de Bilti. Ce n'est pas une affaire de nom. Ce n'est pas une affaire personnelle qu'on a contre lui. Mais l'affaire devient gênante parce que ce monsieur a trempé et il est trempé jusqu'aux narines. Et il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul. Voilà. Je t'avais dit la dernière fois que si ce type, si on devait l'enlever, c'est qu'on a déjà enlevé depuis. Parce que il a eu un clash avec Vondo Ayolo. Et Vondo Ayolo est aujourd'hui l'homme qui voit Biya se lever le matin et qui voit Biya dormir le soir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je comprends, effectivement. Vondo Ayolo est le directeur du cabinet de Biya. Donc il voit Biya à des moments, c'est-à-dire même quand Biya en pyjama, il le voit. Donc si ce type, si Vondo Ayolo, a le pouvoir de dire à Tétianke, de dire à Biya que non, enlève ce type. Mais sauf qu'il ne peut pas. Parce que lui-même, il a bénéficié. Ah oui. Tous ont bénéficié de la largesse de ce gars, donc il doit partir. L'ancien ambassadeur qui est actuellement le ministre des Relations Extérieures, Belan Bela, s'il voulait enlever, il l'aurait déjà fait. Il l'aurait déjà rappelé. Donc, il ne faudrait pas qu'on vienne nous... c'est-à-dire distraire les gens avec du tribalisme. Il ne faudrait pas qu'on vienne nous distraire avec du tribalisme. Tétianke est trempé jusqu'aux narines. Ça, tout le monde, il est trempé jusqu'aux narines. Ça, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Parce qu'il a d'une insolence, mais impressionnante. Bah, bien sûr qu'il est insolent, parce qu'il se prend au-dessus de tout. Parce qu'il ne pouvait pas imaginer. Par contre, il n'aurait pas pu imaginer que autant de choses qui pensaient être cachées pouvaient être dehors. En deux, trois jours. Voilà, effectivement. Le gars a été déstabilisé. Ali, c'est le percepteur le plus riche du Cameroun. Bien évidemment. Bien évidemment. Donc, quand je... Mais la question, qu'on va même se poser, parce que j'ai dit ça aux gens la dernière fois, est-ce que M. Tétianke n'a pas organisé le braquage de l'ambassade pour faire fuir certains documents? On peut se dire ça. De toutes les façons, là où nous sommes là, là où c'est là. Abdel qui me ressort et tu entres encore. Vas-y, continue. Là où c'est là, nous sommes déjà à un stade où il n'y a plus moyen de faire marche arrière. On ne peut que continuer seulement dans les investigations. Effectivement. Et les gens sont en train de s'amuser. Que Abdelaziz ne pense pas qu'il a le monopole de la science, qu'il a le monopole de la connaissance, ou de la connaissance journalistique ou des enquêtes journalistiques, qu'il sache qu'il y a des vrais enquêteurs qui sont sur ces affaires-là, et qui sont des personnes qui font enquêter même au sein des familles mafieuses, des mafieuses les plus longues dans le monde. Il ne faudrait pas qu'on pense que c'est parce qu'on est en train de parler, parce que Amer est en train de parler, parce qu'il a peur de la réunion de Beau, c'est lui qui vient de la politique de la place. Non. Non. Il faut qu'on arrête, qu'on arrête de croire que. Mais la question. Le projet. Oui. Ça te coupe. J'étais sur le point, je le dis, Amer. C'est-à-dire que tant de personnes de plomb commençaient à m'écraser. Parce qu'il m'a sorti de mes gonds quand j'ai écouté son live. Il m'a sorti de mes gonds. Mais les gars m'ont dit non.
ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ça ne peut pas se passer comme ça. Okay. Une liste des enquêtes, on fait des recoupages, les informations qu'on a, on va les mettre. Oui, effectivement. Parce qu'aujourd'hui, tous les années aujourd'hui, on ne peut plus se... Et on peut tout imaginer aujourd'hui. Et on peut se dire que non, c'est le trésorier. On peut aussi se dire que c'est le trésorier, la conspiration pour enlever le président de la République. On peut aussi se dire que c'est le trésorier. Alors, on peut se dire ça. Parce que tous les gars avec qui il a marché sont en prison. Pourquoi lui n'est pas en prison? Les gars sont en prison. Les gars sont en prison. Il y a un problème aujourd'hui qui se passe sur Yaoundé. Yaoundé est dans le noir depuis combien de semaines? Ouais, dans bientôt presque mois. Il est dans le noir depuis combien de semaines? Il y a deux sociétés. Il y a deux sociétés qui sont citées. La société de transport d'électricité et Veillon. Oui. Il y a un monsieur qu'on vient d'enlever. Qu'on vient de remplacer. Il y a un DG qu'on vient de remplacer. Ça, je ne savais pas. Quand il y a un DG qu'on a remplacé il y a deux jours, quand je vais encore te donner l'information en mode vision, en disant que ce DG qu'on a enlevé avec des rapports de M. Tessapor a dit que non, parce que ce sont des bandits et on est en train de vouloir les... Non, c'est neuf. Les gars, quand il y a un truc qui ne va pas, si tu t'appelles Nana et que tu as fautif, on doit te dire que c'est un bandit qui a fauté. Mais ça ne veut dire pas que c'est tous les bandits. Non, on donne le nom. Je suis sûr d'une chose, c'est que M. Ketchake... Vas-y. Il faut être sérieux à un moment donné. Personne n'a appelé M. Ketchake. Personne n'a appelé lui. Mais il faut quand même se dire qu'il y a un problème. Ce monsieur, il y a un problème. Si ce monsieur n'avait pas laissé entrer les gens à l'ambassade, et évidemment, personne n'allait... son nom allait passer sur la place publique. Effectivement. Mais son nom est sur la place publique aujourd'hui, puisqu'il faut savoir que la CONAP avait déjà commencé à mettre sur lui des clés. Mais la question qu'on se pose, John Doe, pourquoi chaque fois que la CONAP fait une enquête sur ce monsieur, ça n'aboutit jamais? Non, il faut savoir que la CONAP n'est pas un instrument, n'est pas la justice. La justice a son temps. Le temps de la justice n'est pas le temps, n'est pas notre temps à nous. Effectivement. La CONAC a fait son rapport et elle est encore en train de faire d'autres rapports. La justice prend les dossiers en main. Le monsieur a déjà été entendu une fois par les agents de la CONAC. Et il va y encore avoir d'autres enquêtes qui sont en cours. Il va encore être entendu. Ensuite, il va y avoir ce qu'on appelle le contrôle supérieur de l'État, les agences qu'on peut se poser la facture vont entrer dans l'affaire et ensuite la justice va commencer. Le rouleau comme c'est ça, tu sais, nous tous on connaît comment la justice fonctionne dans notre pays. Nous tous on connaît comment la justice fonctionne dans notre pays. Ok, ce qu'on va faire, c'est que je parle avec Abdel, et après je te reprends après si possible. Ok, merci. Oui, compatriote de cellule. Amen, Kamer. Ouais. Ça confirme tout ce que tu disais. Tu es tombé dans le dossier de la Nakamura camerounaise. La mafia sicilienne camerounaise, tu as mis les pieds et les mains dans le plat. Je vais te dire une seule chose. Vous voyez Ketchake? Il y a encore plus grave que Ketchake. Il est en train de prier Dieu matin, midi, soir, pardon, il ne faut pas que mon nom sorte. Parce que quand son nom va sortir, ça va faire un tremblement de terre. C'est facile de chasser Paul Biya partout sur la planète Terre. Très facile de payer les gens pour chasser Paul Biya à gauche, à droite, payer les gens. C'est très facile. Chez nous, en Bafia, on dit
La mère éléphant avait dit à l'éléphanteau, mon fils, fais attention au feu de brousse. Quand le feu de brousse passe, le plus dangereux, c'est la cendre. Mon fils, la cendre que tu vois au sol, faut faire attention. Toi, tu vas voir la cendre alors que la cendre protège un feu qui est en bas. C'est ce qui est en train de se passer au Cameroun à l'heure actuelle. Je te répète encore, il y a plus grave que Kechanke et les Lebou. Moutazé travaille sur le dossier. Et tu sais bien qu'il est venu mettre tout dehors. Quand il va mettre, Moutazé va mettre tout dehors, là, en ce moment-là, ça va nous donner le grain à quand tu parles comme ça, quand tu parles de Moutazé, il faut toujours rappeler que 80% des emplois que Lebou détournait allaient directement à First Land Bank. Et l'autre 20% allait dans les entreprises Bamileke. Je vais te dire quelque chose. Il faut savoir au Cameroun que le président de la République vient se réveiller. Comme on dit, il ne se fait jamais tard. Tu comprends? Ouais. Il ne se fait jamais tard. Les gens qui se sont amusés avec le président Biya, je le dis tous les jours, vont se rendre compte qu'ils ont fait l'erreur de leur vie. Amen, Kamer, tous ces gens, personne parmi eux n'a remis à M. Biya le pouvoir. L'homme qui a remis à M. Biya le pouvoir s'appelle le président Amadou Ahidjo. 37 ans après, nous avons les gens qui se réunissent dans un petit village à Bazou, au Cameroun, qui disent qu'il faut que Paul Biya parte de la présidence de la République. Et ils commencent à réfléchir, à manipuler. Toute la manipulation que tu vois au Cameroun depuis 2004. Ils manipulent les nordistes, ils manipulent les anglophones, ils manipulent les bétis. Ce sont ces gars. Mais tu sais, on te tient avec l'argent. On fait d'abord que tu te mouilles dans un dossier, tu as les pieds et les mains liés. Tu ne peux plus sortir. Tu es obligé de rester avec eux. La technique d'un grand, le monsieur, le milliardaire américain qu'on a arrêté là. Mm-hmm. C'était sa technique. Quand il traite avec toi, il te mouille d'abord dans un dossier. Comme ça, tu lui restes fidèle à vie. Effectivement. C'est comme ça que ces gars fonctionnaient. La raison pour laquelle le président de la République neutralise d'abord tous ses frères. Le président Biya, en d'autres termes, envoie une information en disant tout le monde peut me trahir, mais pas vous. C'est pour ça que tu entends souvent, j'aime souvent dire, est-ce que un Aoussa, un Nordiste a trahi le président Amadou Ahidjo. À ton jeune âge, là, tu as entendu un Nordiste qui a trahi le président Amadou Ahidjo? Je n'ai pas encore entendu jusqu'à présent. Ou bien je ne connais pas les noms. Tu peux compter combien les bêtises Benanga ont trahi Paul Biya? Mama, Titus, Mendoza, Mebengo, ils sont pleins. Ok. Et quand nous voyons ces papas, on voit comment ils se comportent, on se pose la question de savoir, mais ce que nous nous voyons, ils ne voient pas. C'est ça. Ils ne voient pas.
ils voient, mais le problème, il est le suivant. Quand la mafia Nakamura te tienne, tu es obligé de devenir aveugle. Tu es obligé. C'est qui fait mal. Tu es obligé de devenir aveugle parce que tu te dis que si tu ne fais pas ce qu'on veut, ce qu'ils veulent, ton argent, tu n'auras plus. Mais je vais envoyer à tous ces papas un bon message. Je vais envoyer à ces papas un bon message. Votre argent que vous avez donné à ces gens de fructifier, vous n'aurez même pas 5 francs. Parce qu'il faut dire une chose. Regarde bizarrement. Après, on va dire qu'on est tribaliste. Le goût. Que Tchaké, Kamto, Tala, Tawamba. Ils ne sont pas cités. Ils sont pleins. Ce sont les complotistes. Ils seront tous arrêtés. Tous sont dans la conspiration. Je parle de la conspiration. C'est pour ça que je suis sûr d'une chose, c'est que Tchaké doit être le trésorier de la conspiration. Ce sont les complotistes. Ils ont comploté contre la République. Ils seront tous arrêtés. Personne ne va échapper. Les gens meurent dans le nozo. Ce sont ces gens, les organisateurs. Et aujourd'hui, on le trouve aujourd'hui, la même banque. La même banque. Eh oui. Je répète encore, ce sont des complotistes. Ils seront tous arrêtés. Personne ne va échapper. Je dis bien personne. Tu vas voir. Nous avons jusqu'en 2025. Je fais confiance aux vieux. Ils seront tous arrêtés, tu vas voir. Ils seront tous arrêtés. Personne parmi ces gens n'a remis à M. Biya le pouvoir. De quel droit ils se réunissent à Bazou pour dire que Paul Biya doit partir? C'est eux qui ont remis à Paul Biya le pouvoir. Ils savent ce que le président Ahmadou Ahidjo avait dit à Paul Biya. Nous avons jusqu'en 2025. On va tous les arrêter, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas voir. Curieusement, aucun média au Cameroun ne parle de ça. Ne parle de ça. Aucun média. Parce qu'il a tous les médias. Il a tous les médias. Ce sont des complotistes. Voilà les gens qui ont comploté contre la République. Ils seront arrêtés. Tous. Tu vas voir. Je te dis bien, nous avons, il ne faut pas être pressé, nous avons jusqu'en 2025. Nous allons les arrêter tous. Parce que quand les gens pensent que ils sont intelligents et rusés et malins, ça finit toujours par les rattraper. Qui a dit à Tchaké de venir ouvrir le portail? C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas le jour-là. En Bafia, on dit « Atchenerim ». Tu sais ce que ça signifie? Non. « Atchenerim », ça signifie il est parti à la sorcellerie. Tu sais que le sorcier rentre la nuit, non? Mm-hmm. Et le jour l'a trouvé. À 3h le matin, le jour l'a trouvé en route. Et quand le jour te trouve en route, tu n'as plus tout tes sens parce que tu es multiplié. L'esprit est en toi, mais le corps n'est pas en toi. Mais voilà. En Bafia, on dit à Tchenerim. Quand il ou Tchenerim,
Tchonkouk, ou Tchonkouk. C'est ça qui est arrivé au père Kechanke. Il vient ouvrir le portail de l'ambassade pour faire entrer la bande à Lebou, la basse. Je suis désolé, mais beau frère, on va tous vous arrêter. Personne ne va échapper. Vous connaissez comment le vieux Paul Biya agit. Il laisse le temps régler. Amen, Kamer. Ils ont mis le feu au poste de transformateur de Mélène. Parce que dans leur petit calcul, ils pensent que le peuple camerounais peut encore sortir dans la rue. Comme ils adorent tellement l'argent, ils ne savaient pas que d'autres Camerounais ont compris le jeu. Ils ont commencé à travailler sur le territoire. Amen, Kamer. J'ai fait le tour du Cameroun. 2004, 2005, 2006. Amen, Kamer. Ces gens tellement s'empiffraient. L'argent coulait à flot. Eh bien, notre travail a payé. Ils vont sortir tout genre de carreaux. Aucun Camerounais ne va sortir. C'est la prison qui les attend. Ils vont finir tous à Koningi. Nous demandons au président de la République de les laisser tranquilles. Le stress, c'est le stress qui va les donner les AVC. C'est le stress avant d'imaginer qu'ils seront arrêtés. C'est de ça qu'il est question. Voilà des gens qui ont ruiné toute une génération au Cameroun. Ben oui. Je dis bien, ruiné toute une génération au Cameroun. Avec la phrase fétiche, la politique aux politiciens. Ils ont ruiné toute une génération au Cameroun. Et ils avaient pour bouc émissaire, Paul Biya ne fait rien. Paul Biya ne fait rien. Non, il y a tous les voleurs. Paul Biya ne fait rien. Et pourtant que les voleurs, c'est eux. Ils ont multiplié le nombre de presses privées au Cameroun. Tout ça pour contrôler le président Biya, allait donner encore plus de manœuvres. Mais sauf que le président Biya a le peuple derrière lui. Et nous avons les faits face. Qui se tiennent bien sur leurs deux jambes. Parce qu'ils ne savent pas ce que le bas peuple pauvre les prépare. Il y a plein qui sont là à Douala, à Yaoundé, qui pensent qu'ils vont s'en sortir. Ils ont calculé mettre le feu au Cameroun. Nous, on prie Dieu qu'ils mettent le feu. Hein. Parce qu'on connaît ce qu'on les a préparé. Ils auront la surprise de leur vie. C'est de ça qu'il est question. Ils ruinent un pays. Comment quelqu'un peut toucher par mois pendant 15 ans 1 milliard 300 millions de salaire pendant 15 ans? Viré chez First Land Bank. Tous les immeubles de Douala, c'est le bout. Tous les immeubles à Yaoundé, c'est le bout. Tous les états à Douala, c'est le bout. Il est actionnaire dans 99,9% d'entreprises et quincailleries au Cameroun. Appartenant au Bamileke, je précise, la précision en vaut la peine. Et quand tu parles, on vient te traiter de tribaliste parce qu'on ne veut pas que tu parles. On appelle ça la technique de la victimisation. Eh bien, le temps. L'eau a coulé sous le pont. La technique là ne marche plus. Comme ça ne marche plus là. Tout sera sur la table. Tu te rappelles quand je t'ai parlé, j'ai fait un direct. Les qui ont le monopole de certains
7h au Cameroun. J'ai fait un direct sur ça. Amen, Kamer. Le plan était clair. Utiliser la République pour... Et ils ont donc fabriqué Kamto en disant, OK, comme c'est Kamto, on va le financer. Comment tu expliques que le président du MSC batte campagne à une élection présidentielle, il n'a pas pris les 15 millions proposés par l'État du Cameroun. Il a pris l'argent où? Mais les journalistes de leurs médias mensonges ont passé le temps à vassaliser Cabral Libye. Comment tu as géré l'argent? Comment tu as géré l'argent? Je me rappelle bien de Romary Tenda qui a interviewé le Gassi, Jean-Bruno Tagné. Il était incapable de demander à Jean-Bruno Tagné: ton nom se retrouve dans les salaires fictifs de la fonction publique. Qu'est-ce qui se passe que ton nom se retrouve là-bas? Il a été incapable de poser cette question à Jean-Bruno Tagné. Le jour où il a reçu Cabral Libye, il a passé une heure de temps à demander à Cabral Libye: on t'accuse d'avoir détourné l'argent. C'est bien avec les médias sociaux que nous, on va collecter toutes les vidéos, on va garder. Quand on voit quelqu'un qui parle, on demande c'est qui. On sort son ancienne vidéo. Ça me fait rire quand j'ai vu notre grand frère Blaise Pascal Tala de Jeune Afrique Économique sortir et parler. J'ai dit, waouh, les rats vont sortir de tous les trous. Octobre, on n'a vu personne. Novembre, on n'a vu personne. Décembre, on n'a vu personne. Janvier, on n'a vu personne. Février, on n'a vu personne. On avait toujours espoir que le frère du village va réussir. Effectivement. Et le frère du village est en prison. Les rats sont en train de quitter le bateau. Pardon, ne quittez pas le bateau. Vous êtes à nous. Et vous allez faire notre joie. Et nous, on sera contents. Parce que nous avons perdu les membres de nos familles par votre plan diabolique. C'est pour ça qu'à chaque fois, nous réclamons justice parce que nous connaissons la vérité. C'est la justice avant le dialogue. La justice avant le dialogue. Il y a les vidéos, les bandes sonores. Ouais, vous allez faire comment pour nier les faits? Pour le moment, Amir Kamer parle pour lui. Moi, je parle, je vais mettre les vidéos de leur réunion, Amir Kamer. Moi, j'ai les... Toi, tu as les documents. Moi, j'ai les vidéos des réunions. Les réunions de sorcellerie. On fait la sorcellerie contre l'État du Cameroun. Papa, moi, j'ai les vidéos. Quand ça va, quand la cocotte va bien bouillir, on va balancer ça sur Facebook. Ils ont dit que Georges Gilbert Bahola dérange les gens. OK. Georges Gilbert Bahola dérange les gens. Mais nous, on a compris que les hommes politiques ne vont pas nous protéger parce qu'ils n'ont pas protégé les Ivoiriens. On a compris ça depuis. Les hommes politiques ne vont pas nous protéger. Donc, on a vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. En une semaine, on avait tué presque 6 000 populations civiles. Et bien comme c'est nous qui serons la chair à canon, gars, on a mis un plan sur pied de se protéger et nous allons bien nous protéger. Nous allons bien nous protéger contre ces gens qui n'ont pas de morale. Quand je vois un monsieur comme le propriétaire de la télévision Equinox, je regarde comme ça, je dis, oh mon Dieu, ils pensaient qu'ils allaient, ils allaient se cacher jusqu'à quand? Je t'ai envoyé une vidéo le matin quand j'ai fait la visite.
Personne ne peut comploter contre la République du Cameroun. Vous complotez, ça sera à jour et nous allons s'en occuper. Bah, fais ton travail, Amer Kamer. Moi, j'attends. La cocotte ne fait que monter. Non, on va. Ça la dit que. La cocotte va monter. Ça dit... On va balancer les vidéos. Comme tu dis souvent, on était couché chez nous. Ils sont venus nous chercher. Je n'étais pas dans Facebook. Oh. Je ne faisais pas les vidéos. Nous chercher. C'est eux qui nous ont appelés. C'est eux qui nous ont appelés. Donc, ils doivent s'en prendre à eux. Ce n'est pas à nous. On n'a rien contre les gens. J'étais tranquille au Canada. Mais ils ont oublié une seule chose dans la République du Cameroun. Ça a rangé. Tu as les charognards qui sont là. Les charognards sont là. Tu as des requins qui sont là. Au même moment, tu as les petits poissons qui marchent derrière les baleines là. Mm-hmm. Ils sont là. Imagine un peu quand ces petits poissons sont devenus intelligents, ils se sont rendus compte que nous pouvons tuer cette baleine en nous regroupant. Tu sais ce que ça va donner? Quand tu vois souvent une baleine échouer au bord de la rive de l'océan, ce sont les petits poissons. Parce qu'ils se sont rendus compte qu'à force de suivre la baleine va faire un plongeon, entrer en bas pour sortir, ouvrir sa large gueule pour les fermer. À chaque fois que tu vas voir une image, on te dit une baleine a échoué, c'est les petits poissons. C'est ça qu'on va faire à ces gens. Nous allons dire au président de la République, monsieur le président, justice doit être rendue. On a assez fait du mal à la République. La République est en otage. Et il est grand temps que, monsieur le président, vous libérez la République. Ils sont à côté de vous. Et nous sommes contents parce qu'on savait que vous connaissez, monsieur le président. Nous, on était sûr que vous connaissez. On dit en langage politique, je reste avec mon ami à côté de moi pour mieux le contrôler. Parce que si je le laisse à distance, il pourra m'échapper. C'est pour ça que quand nous on voit le président bien maintenir un ministre ou bien un DG, on sait que c'est pour contrôler le type là. Parce que quand s'il n'est pas en poste pour le contrôler, ça sera un peu difficile. Mm-hmm. Il faut le nommer. Et regarde bien quelle est la presse qui tire à boulet rouge. Pourquoi on garde les ministres qui ne travaillent pas? L'Equinox. Pourquoi on garde les ministres qui volent? C'est les mêmes gens. Parce qu'ils prient Dieu matin, midi, soir. Qui fait comme enlève le ministre? Eh bien, Paul Biya ne va jamais les enlever, ministre. On va prendre l'exemple de la CAN. On nous dit que la CAN n'existe, que la CAN a fait ceci. Les qui ont gagné les marchés de la CAN, les marchés des travaux publics, qui ont gagné ça? Amen, Kamer. 99,9% des entreprises de travaux publics au Cameroun appartiennent à mes beaux-frères. Donc, ces beaux-frères sont bamiléqués pour ceux qui n'ont pas bien compris. Donc, tu comprends que c'est une technique de se toujours pour salir l'image du Cameroun. Ils sont prêts à tout pour le pouvoir. C'est la vérité. Tu sais, avant les gens avaient peur. J'ai dit à un de mes amis, vous avez appelé les gens qui étaient tranquilles dans leur coin. Maintenant, ils mettent tous les dossiers sur la table. Amen, Kamer. On va sortir tous les dossiers de la République, ça sera sur la table. Aucun dossier ne va rester caché. Aucun. Effectivement. Ouais, j'ai mon ami Gédéon qui dit que donc pour vous, aucun BAMS n'a réussi par son travail. Mon ami, nous on connaît les vrais BAMS qui ont reçu. Nous avons fini avec eux. Donc, Gédéon, ne mélange pas les macabos et les patates.
On connaît les vrais BAMS qui ont réussi par l'effort au travail. Ils sont là. On les connaît. On connaît bien les membres de la Nakamura, la mafia. On les connaît tous. Je dis, on ne vient pas faire, on appelle ça en français, faire du dilatoire. Gars, ça ne se fait pas avec nous. On connaît bien les vrais BAMS, les gars qui walk comme nous. Mm-hmm. On les a vus grandir. Tu peux faire sa traçabilité. Que le gars, s'il a commencé ici, voilà ce qu'il a fait. Voilà ce qu'il a fait. Gédéon, pardon, excuse-nous. Excuse-nous. Parce qu'on connaît parfaitement la République, comment elle marche. Amen, Kamel. Mm-hmm. Prends une autre personne. Je te remercie. Ok, merci, Frangin. Ok. VP. Jason, VP. Donc, il a parlé. Ça dit, on va arrêter. Je dis, Dieu merci. Celui qui a envoyé que Tchaka ouvre le portail le jour-là, il ne savait pas ce qu'il faisait. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Parce qu'avant ce jour, je n'avais jamais parlé de Tchaka. Avant ce jour, je ne m'étais jamais intéressé à Tchaka. C'est le jour où il a ouvert ce portail que j'ai posé la question. Qui ouvre ce portail? Il a quel droit? C'est qui? On m'a répondu, c'est le plus puissant de l'ambassade. J'ai dit, comme il est puissant, moi je suis un Camerounais. Il doit partir. Il doit partir. Mais avant de partir, il va nous rendre des comptes. Il va nous rendre des comptes. Et oui, comme il est plus puissant que l'ambassadeur. Nous, on va s'adresser au chef de l'État directement. Comme on dit haut et fort, que c'est le ventre du président de la République, que le président de la République ne peut rien lui faire. Voilà ce qui se dit dans les coulisses. Que le président de la République ne peut rien faire à Tchaka. Parce que si le président de la République tente, Tchaka va le balancer. Voilà ce qui se dit en sous-marin. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Oui, je vais te prendre. Un monsieur arrive. Il parle haut et fort. Parce qu'il loue les avions du président de la République. Parce qu'il paie l'école aux enfants de ministres. Parce qu'il tient tout le monde dans la main. Donc il dit qu'on ne peut rien lui faire. Il doit faire du Cameroun ce qu'il veut. Jusqu'à aller ouvrir la porte pour que l'ennemi entre dans la maison. Et oui. Et voilà. Voilà le problème des patriotes. Voilà mon problème. Il est qui? Il est qui? Et oui. Voilà ce qui m'énerve. On va lui montrer qu'on est des Camerounais. Que l'ambassade là, ce n'est pas pour que Tchaka. L'ambassade là, c'est pour nous, nous Camerounais. Ce n'est pas pour lui. Le trésorier des corrompus et le trésorier des honnêtes. La question qu'on se pose, vous n'êtes pas celui qui n'est pas dans une conspiration pour déstabiliser le président de la République ou pour déstabiliser le Cameroun. Mais commencez à faire des enquêtes. Faisons des enquêtes. Eh oui. J'ai pas besoin, moi, j'ai pas ma langue dans ma poche. Dans toute la corruption qu'il y a à l'étranger, c'est toujours lui. Il arrose l'opposition, il arrose le gouvernement, et il parle fort. Dans les coulisses, on dit que le président ne peut rien lui faire. Monsieur le président, si tu nous écoutes, ici à Paris, on dit que tu ne peux rien faire, que tu as que. Qui te tienne, que tu ne peux rien lui faire. Voilà ce qui se dit ici à Paris. Envoie un sondage. Eh oui. Voilà ce qui se passe dans cette ambassade.
qui n'est plus l'ambassade du Cameroun, qu'on appelle la Casa de Ketia, que là-bas, on murmure haut et fort que c'est le boss. Parce qu'il connaît tous tes comptes. Parce qu'il connaît les comptes de tout le monde. Si on l'arrête, il va tout balancer. Raison pour laquelle il parle fort, il fait ce qu'il veut. Voilà ce qu'on se dit, voilà ce qui se dit. Donc, là où on est là aujourd'hui, on en a marre. On en a marre. On peut récupérer notre ambassade. Oui. On veut que ça devienne l'ambassade du Cameroun et non la Casa de Ketia. Ce n'est pas la Casa de Ketia, c'est notre ambassade. Monsieur le Président, on veut récupérer notre ambassade. Eh oui. Trop de corruption dans cette ambassade. Trop de corruption. Trop, c'est trop. On est fatigué. Non, non, on va ensemble. Non, oui, je boirai dans 10 minutes après. Donc voilà, monsieur le président. Là, je dois aller faire coucher mes enfants. C'est eux qui m'appellent. Je dois aller faire coucher mes enfants. Il est déjà minuit moins 15. Mais je vais arrêter le live là. Priorité aux enfants. Mais je vais vous dire quelque chose, monsieur le président de la République. Ce gars n'est pas digne de confiance. Ce monsieur n'est pas digne de confiance. C'est un corrompu. Et il marche avec les corrompus. Et tiens que libère notre ambassade avec tes potes. Libère notre ambassade avec tes potes. Libérez notre ambassade. Rentre au Cameroun. Et oui. Ce n'est que le début. On est nombreux. On a une brigade. On a une brigade, c'est marqué la brigade des patriotes. Nous sommes nombreux. Justice. On aura notre justice. Ouais, Chagui, je vais te prendre, mais j'ai les enfants là, je dois aller coucher les enfants. Donc, c'est que quand les enfants rôdent, il faut leur faire un câlin, il faut leur voir. Donc, la prochaine fois, même s'il est français, Emilienne, même s'il est français, on va les chasser dans Paris. On va les chasser dans Paris. Et oui. Ce n'est pas une histoire de... Je vais la prochaine fois. La prochaine fois, pour ceux qui veulent parler dans mon live, vous nous écrivez avant. On est toujours sur le dossier Ketchake. Je ne prends pas les gens que je ne connais pas. Je ne prends pas les gens qui vont venir m'insulter ici. Je prends les gens avec qui j'ai déjà eu à discuter. Chagui, je pourrais te prendre pour l'instant. Je dois aller coucher les enfants. Donc, on verra ça autrement un autre jour. Mais je tiens à vous dire merci pour ceux qui étaient là. Merci. On n'a pas encore fait les 500 partages. Les gars, partagez encore une dernière fois avant la fermeture. Là, on est déjà. Partagez encore une dernière fois. Ça n'a même pas fait 500 partages. Ne me manquez pas de l'espace au point. Ça a fait 467 partages. Avant que je ne ferme le live, donc on lançait les partages. On appelle ça le partage du Salaka. On appelle ça le partage du Salaka. On lance le partage une dernière fois. Donc, il faut qu'on atteigne, ne me manquez pas de respect. On n'a pas encore atteint les 500 partages. Donc, tant qu'on n'a pas atteint les 500 partages, il manque 50 partages pour atteindre les 500. Ne me manquez pas de respect à ce point. Je fais beaucoup de boulot pour vous. Donc, on lance les 500 partages. On relance encore les partages. Avant maintenant de conclure, de fermer. Donc, pour l'instant, je ne prends pas personne. Oui. Maman, dis que les enfants là, tu sais que pour faire le live, là, il faut les corrompre, il faut leur donner les glaces. Donc, ouais, pardon, on lance seulement, on lance les partages, on lance les partages. Si elle n'est pas encore atteint les 500 partages, là, je ne laisse pas la faire. Ouais, 531 partages, c'est bon. Jason, il n'y a pas ta caméra. Toko non plus. Je ne prends pas, je vais vous dire, je prends les gens qui ont leur nom et leur visage. Si je prends quelqu'un avec un sobriquet, c'est que c'est quelqu'un que je connais. Je vous remercie. Je ne le vois pas après. Mais tu n'avais même été rien.
M'interviewer, mais je ne le vois pas précis. Bon. Ouais, mon frère, c'est. Oh. Ok. Bonsoir tout le monde. Non, je ne. Avant de prendre quelqu'un, je commence d'abord par te prendre. Voilà, juste pour te donner une information, la rumeur court que M. Kechang a les nudes du président. Je le dis à visage découvert. Ok? Pose-toi une question. Ce n'est jamais la présidence de la République qui nomme les trésoriers à l'ambassade. Ça dépend du ministère des Affaires étrangères. Pourquoi est-ce qu'il fait 6 ans dans un poste qui n'est pas voulu par le peuple? C'est un poste, c'est une fonction où tu peux faire 5 ans, 4 ans, on t'affecte dans un autre pays. Et la personne qui me parlait de ça me disait, il me rappelait un monsieur à Yaoundé qui est décédé, qu'on appelait le petit, le grand trafiquant d'âmes qui était ensemble, qui est décédé. J'entendais parler de lui, mais j'ai oublié son nom. Omba Damas. Omba Damas, voilà. La personne qui m'a appelé m'a dit, il a comparé la personne à Omba Damas. Il a dit, jeune frère, tu te rappelles du faux Omba Damas, il procédait de la même façon comme la mafia. À l'époque, quand ces ministres et ces patronats africains étaient jeunes, ils allaient en Europe, on les piégeait dans les chambres d'hôtel avec les putes russes, Et avec ça arrive les parfait. Européennes. Ils Bon, mettaient parfait, voilà le scoop. Apparemment, monsieur Ketchak parle fort, passer à les photos nues du chef de l'État. Il a les nudes, il a les nudes des autorités. Il est donc, c'est quelque chose. Chose, parce qu'on se pose beaucoup de questions pour lui, pourquoi il est si puissant, 36 ans, dans un même poste, qui n'est pas une nomination, parce qu'il n'a pas été voté par le peuple camerounais pour être là-bas, ça a été une nomination, et pas par le président de l'État, pas le chef de l'État, du ministère. Donc, ce monsieur tape la main sur la poitrine parce qu'il a les buts. Nous, on va se faire vérifier, parce que j'ai envoyé chez toi un évêque, parce qu'on va se faire vérifier pourquoi lui il est si puissant. Deuxième. Vérifier ça, tu verras tout à l'heure. Affaire à Finland First Bank. Deuxième personnalité, deuxième fortune du Cameroun à moins de 20 ans. À vérifier. Un petit banquier qui devient deuxième fortune en voie de développement à moins de 20 ans. Il pèse presque 1 milliard de dollars. On veut connaître comment la banque là. Comment l'argent là s'est fructifié pour qu'il devienne deuxième fortune du Cameroun. Troisième suspect dans la liste, la première fortune du Cameroun, le Bamendala, lui qui a un Excel là. Comment se fait-il qu'un gros milliardaire comme celui-là, il est en plein dans le nouveau, mais depuis qu'il est le poumon nord-ouest, aucun de ses ranges n'a été volé, aucune de ses vaches n'a été volée, aucune de ses chèvres n'a été piquée, aucun de ses pieds. Qu'est-ce qui se passe réellement? Les qui sont derrière tous les désordres qu'il y a au Cameroun. J'ai confiance en toi. Voilà tes trucs. Je suis sûr qu'ils vont Ok. dire la vérité au Cameroun. À Finlande, doit nous dire comment il est devenu milliardaire à moins de 20 ans. Un banquier, il pèse 1 milliard de dollars. À moins de 20 ans. Une banque qui était base pour les petits commerçants. C'est lui le vrai blanchisseur. C'est le Ok. premier complice. Bon, bon, il y a encore, il y a encore. Bon, bon, c'est qu'est-ce qu'on va conclure avec toi? On va juste une autre fois. Ouais, c'est ce que je voulais te dire. Quand on Ok, dit que ton merci. pas les nudes du de l'État, qu'on nous dise la vérité. Et là, il va se mettre sur Facebook. Ok, ça marche. On fait comme ça. À plus, ouais. Bonne soirée, les gars.